Et plop les gens, de retour dans Céleste pour cette troisième ascension. On en est déjà presque à la moitié, vu qu'on en est au chapitre 4, à l'arête d'or. On va découvrir cette phase immédiatement, sans plus tarder, tout ça, tout ça. Alors. Ok, non. Non, ok. Ok, c'est sûr. Ok. Là, je peux faire un coup de pied et même si je suis pas en... En soi, je suis pas en boost, mais ça marche quand même. Par contre, ce troisième saut... Voilà. Je sais pas comment le... Si, j'ai une petite idée en fait, mais... Non, j'ai oublié de sauter. Trop pressé, trop pressé. Il faut que... Faut pas Déjà, faut pas que j'oublie le premier saut, voilà. Mince. Et là, faut que je m'accroche sur la gauche. Je pense... Non. Oh, fou, Ziki. Ouh. Et voilà. Ils me disent de monter là pour voir et puis ils me donnent des pics là-haut. Alors, on monte. Ça va être compliqué ça. Tac tac tac. Hop hop. Non. Voilà. Voilà. Alors, donc là on saute là. Il va falloir qu'on saute de l'autre côté très vite quand pendant que ce truc-là il commence à monter. On va devoir sauter ici peut-être. Soit on saute de l'autre côté sur cette face-là, soit on va ici et il faut qu'on revienne sur la face gauche de ce truc-là. Là on saute et on dash, je suppose, pour s'agripper. Peut-être faire un double saut pour prendre ce cristal, pour arriver à gauche, et du coup, quand c'est par là, sauter, dasher. Re-sauter pour reprendre le truc, sauter par-dessus et là, ou alors attendre qu'il soit tout en haut et de tout en haut descendre. Voilà ce que je vois. Voilà comment j'envisage la chose. Envisager, ça veut pas dire réussir immédiatement. Oh là là. J'étais pas mal. Les petits picous là qui font bien. Hein. Vous avez compris. Ah oh, putain. Faut tellement s'agripper mais pas longtemps. Ah bah. Je pensais pas que ce serait si gênant ce côté extérieur. Alors oui, j'ai déjà dit les picous en dessus, c'était pas mon kiff.
Là, j'aurais presque pu passer directement de l'autre côté, ce qui peut m'économiser des sauts et tout, donc de l'énergie. Et pas mal, hein. Non, là, j'ai oublié de sauter, oui. C'était pas mal, mais il fallait re-sauter de l'autre côté. Ah, pas mal. La même. Mais le dernier boost, enfin le dernier dash, je sais pas à quel moment l'utiliser pour le mieux. Alors j'appréhende... Oh, j'appréhende déjà, c'est la fraise à ce moment-là. Peut-être que... Ouais, non, là, je suis obligé de faire un dash vers le haut, à cet endroit-là. Regardez, une fois sur deux, je meurs en agrippant même pas le deuxième côté. Non. Remonter, ça pompe tellement d'énergie. Peut-être à ça que sert le mur de droite. Uch. J'ai oublié de sauter quasi immédiatement. Ouais, peut-être un truc comme ça à faire si on agrippe trop bas. Ouais. Faut agripper pour pouvoir agripper trop. Non, faut que je saute direct. C'est quand même le mieux. Oh punaise, par contre les pics au-dessus. Excusez-moi. Boulou boulou. J'appréhende déjà, vous disais-je, et je ne suis qu'au deuxième tableau sur 3, si c'est bien tour 3. Ah, j'y étais presque. En fait, on a quasi pas le temps, quoi. Le seul moment où on a le temps, c'était là. Hop, là on a un peu de temps. Et là, j'ai cru que j'avais encore du temps, mais non, j'ai pas le temps. Pouit. Plop Flo, comment tu vas? T'as bien avancé sur ta partie Factorio? Aïe. Moi aussi ça va bien. On en est loin dans Céleste là. Oh, punaise. T'as pu ressauter. On en est bien loin, mais on galère bien surtout. Il faut repasser de l'autre côté. J'ai attaqué les fioles bleues déjà. Eh bien. Alors le fairway, ouais, je l'ai débloqué en... Après avoir fait le cœur en face A.
Après, ayant regardé un speedrun qui incluait Farewell, je sais que c'était pas la peine que j'y aille. Tout de suite. Là, il y a une technique que j'ai apprise à la fin de la phase B que j'ai dû mettre en œuvre pour les phases C et tout. Et je crois qu'il y en a besoin avant d'être vraiment bloqué pour Farewell. Ouais, ça a l'air super dur, Farewell. Déjà, ça. Voilà. Bon, je commence à m'y habituer, il y a des trucs... Enfin, le début, c'est pas autant la merde qu'avant, c'est déjà pas mal. Ça sert à rien. J'aurais dû rester en haut. Pouit. Mince, là j'aurais dû monter en diagonale. Oh! Je savais pas comment revenir avec ou sans le bloc noir. Aïe. Ah, t'as fait 3h30 de factorio là ce matin? Entrer aujourd'hui, ok. Après, tu regardes mon nombre de followers. Ah bah non, tu peux le voir, oui c'est vrai, il y a le petit truc là-haut. Bah ouais, il y a eu Amblard avant ton resub, qui est quelqu'un que je connais IRL. Et qui a dû se souvenir de moi, je sais pas. Il m'a pas recontacté, en tout cas. Et j'ai oublié son nom, Notsetus. Qui a follow apparemment hier vers 22h, donc j'étais pas en live. Ça devait être quelqu'un qui a vu la rediff de Zer Billions, je pense. Hier j'ai fait du Zer Billions. Ah, il faut que je fasse un truc pour les 100, mais bon. Quoi? Ok, on peut passer comme ça. C'est peut-être plus safe de passer autrement, mais... Passer par-dessus, mais bon. Alors ici, ça va être compliqué. T'étais là? Comment ça? Pour quand notre Cetus a flow? Là, on saute, on dash. Attendez, on va vous remettre le tableau. Potentiellement. Voilà. Ça lag. Secours, ça lag. Voilà. Voilà, ok, c'est mieux. Donc là, on fait un saut, on fait un dash. Mince. On fait un saut, on fait un dash. On arrive ici. On fait un super saut. On fait un super saut qui arrive peut-être par là. On refait un dash comme ça. Là, ça va être un saut de merde. Ce truc là... Ce truc là, va falloir faire un petit saut pour faire un dash derrière, je pense, pour assurer le coup. Puis là, faire un gros saut, ouais, pas de souci. Et un dash à l'horizontale.
Non, là. Voilà. Ça, ça va. Quoi? Quoi? Je suppose que du vent s'en mêlera à ce niveau-là. Parce que là, sinon, il aurait fallu sauter, faire un saut dashé pour essayer de l'avoir. Et à chaque fois qu'on a ces boules-là, soit droite, soit diagonale droite, quoi. Mais ici... Ici on fait un dash comme ça et puis après on se laisse tomber avec le vent qui nous fait remonter, j'en sais rien. C'est chelou. À cet endroit-là, faudra voir. Ici on s'agrippe un moment. Je suppose qu'il faut passer très vite de l'autre côté. Et qu'on saute là-dedans. Ça, ça va. La boule, on la fait monter. On arrive. Puis après sur chaque. Et là c'est compliqué, ils sont de plus en plus petits en plus les plots. C'est qu'on met les moyens quoi. Ah oui, go. Voilà, voilà, quand je disais qu'il y aurait du vent. Ah oui, tout ça en une vie, évidemment. Tout ça en une vie. Et faut pas oublier qu'on est, on recommence là au début du tableau et après on fera, ou on essaiera de faire en tout cas, la fraise dorée. La fraise dorée, il faut commencer les même les niveaux d'avant. Quoi ça sert ici? Comment je fais? Oh, Madeline, glisse pas, t'es sur un nuage. On m'a pas prévenu moi, les nuages ça glisse? Eh bien non, lui, j'ai dit qu'il fallait pas faire un gros saut. Apparemment, ça glisse moins si j'appuie vers le bas. C'est un truc que je viens d'apprendre. Hein. J'ai fait les faces A, B. Je suis au milieu des faces C et je viens d'apprendre ça. Ça marche, Flo, et ben bonne fin d'après-midi. Ensuite, la prochaine. Ah, zut, j'ai glissé. J'ai dashé vers le bas. Ok, c'était bien de pas sauter. Hop, mince, là j'étais pas encore assez en bas. Zut. Oh punaise. Oh, pouit. Pouit. Le dash vers l'eau un peu trop tard. Zut. Faut pas que je reste trop sur la gauche, mais faut pas que je dash.
Ah, il faut pas, faut que je combatte le vent, mais quand je fais, mais quand je me suis mis vers le bas, ça doit aller, il y a pas besoin. Ah, c'est faux des. Après, est-ce qu'on attendait pas ça d'effacer un peu quand même, un petit peu. Ah, j'ai dashé, j'aurais pas dû dasher. Oui, 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 oui. Compliqué. Je sais pas si c'est mieux de faire des dashs verticaux, des dashs un peu contre le vent. C'est déjà énervant. Ok. Non, 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 non. J'ai fait vers le bas. Première fois que j'atteignais cette zone-là, hein, je crois. Non, pas vers le haut, pas vers la droite, je veux dire. Faut pas forcément que j'appuie sur le nuage, surtout. Bon là j'ai sauté. Surtout si ce nuage. Ah zut, j'aurais plus dash, j'aurais plus dash. Yes. Ah mais pourquoi vous faites des niveaux si durs? C'est de la torture. Ah j'y suis pas loin. Celui-là, je me demande si je devrais même pas juste me laisser couler et redash sur le. C'est chaud quand même, se laisser couler. Mais peut-être. Oula, oublié, totalement oublié de sauter. Ok. Je me reconcentre, 2 secondes. J'ai pas déclenché le. Thank you.
Allez, on va y arriver, hein, c'est... Ouais, non, se laisser couler, c'est la misère. Hein. Ça va tellement vite, on se fait tellement emporter par un vent fort. Non, là, j'ai sauté, il fallait pas sauter du tout. Oh. Bah, le saut peut passer, à peu près. Je sais pas si c'est rattrapable sur la zone d'après, mais... Sur le... nuage rose d'après. Ah, allez. Pouit, pouit, pouit. Aïe aïe aïe. C'est vraiment... Je crois que j'ai pas le bon... La flé montée. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai improvisé toute la partie là-bas. Et c'était bien ça, du coup j'ai pu voir loin. Après j'ai pas... Comment dire? J'ai pas fiabilisé la première partie et tout, mais déjà ce que je me disais et ce que j'ai... plus ou moins fait instinctivement, c'était bien. Jusqu'à un certain point, évidemment, mais... Faut pas que j'oublie que je peux dasher en arrière sur ce poteau-là. Bon, celui-là après. Non. Ah zut. Pouit, pouit, pouit. Pouit, pouit, pouit. Oupum, pim. Oh, allez. Non, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Aïe aïe aïe, je n'y arrive plus. Déjà rien que ça. C'est relou. Se laisser porter par le vent, c'est pas une bonne idée, hein. On n'est pas dans Pocahontas là. Ou c'est les enfoirés aussi qui ont une... Non, je sais pas. Non, là je mélange. Mais Oh là là là. C'est
ces punaises de pique là-haut là. C'est relou, j'arrive pas à... J'étais trop haut. Oh punaise. Ah, c'est ce genre de petit truc qu'il faut apprendre pour dire qu'on maîtrise. Je me voyais tellement prendre le... le nuage sans avoir besoin de faire mon dash vers le haut là, là aussi. Ou alors je fais vers la droite. Si je fais nimp, ça aide pas. Alors... Ah, ça ne passe pas. Rien qui passe, punaise. Ça va pas être pratique pour la fraise dorée hein, si déjà les deux premiers sauts j'ai du mal. Le premier ça commence à aller, mais le deuxième... J'aurais dû attendre, j'aurais dû m'agripper et attendre. Si je prenais le drapeau vert. Ouais, le drapeau vert c'est peut-être un bon indicateur. Ouais, le drapeau vert c'est un bon indicateur. Il faut que je sois quasiment en dehors de l'écran au niveau du drapeau vert. Et je fais un dash juste vertical. Non par contre faut pas que j'appuie trop vers le bas. On tombe assez vite. Faut que j'aille vers le bas. Effectivement. Non mais faut pas que je descende. Madeline descend déjà assez vite avec la gravité. Pas besoin de l'accélérer. Si j'ai le drapeau vert, faut que j'arrête de faire du gauche ou du droite. Hein. Non, du gauche quand même. Maintenant, je vise que le drapeau vert et je regarde même plus la hauteur à laquelle je suis. J'arrive même plus à sauter là. Alors que c'est justement en fonction de ma hauteur que je dois dash. J'étais un peu bas.
C'était trop tard par rapport au drapeau. Aïe aïe aïe. Va falloir être précis sur les plateformes. 2, 3, 2, 1 pixel là, 4, 3, 2, 1. Va falloir être précis et potentiellement chanceux. Hein, je vais pas vous le cacher. Tout dire, hein, j'espère. Mais non, fallait que j'aille vers le bas. Déjà en train de me ruiner le pouce. De... Ah, presque. Je pense que le 4-3-2-1, faut sauter à la... À la fin de, la... de chaque plateforme, à peu près. Je peux me tromper, hein. Je vais arriver deux fois, donc... Je vais reprendre une gorgée. Pouit, pouit, pouit. Pouit, pouit. Ouais. Alors, c'est pas parfait, mais... Mais avec mes nouveaux repères, ça passe quand même mieux. Et ça passe pas trop mal, effectivement. Ouh. Et tout ça en seulement 37 minutes. 35 minutes pour ce niveau, c'est bien. Ça veut dire que normalement on a plus ou moins 1h30 pour... Vers la petite fraise. Après ah non, fallait s'agripper, oui, à gauche. Après, je parle d'1h30 pour le live, évidemment. La VOD, j'essaye maintenant de les couper à 1h chacune. Donc on va voir ce qu'on peut faire, hein, de toute façon. Ça, c'est pas trop dur. Ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus dur. Mais je pense que c'est faisable, hein, le global, là. Mince, il y aura évidemment un peu de chance pour Akel, pour le moment où je réussirai, mais... Mais c'est normal. Genre, ce niveau-là, il est pas facile. Non, j'ai oublié. Ah zut. Le coup de pied sauté là, il a pas fonctionné. Hop. C'est relativement tranquille le premier tableau. C'est un peu la merde évidemment, mais c'est faisable. Le deuxième et le troisième sont beaucoup plus durs, mais je pense que ça va être le deuxième qui va me poser plus de problèmes. J'ai fait un dash vers la droite.
Après, poser le plus de problèmes, ça veut pas dire le plus de morts, hein. Le premier niveau, vu qu'il est en premier. Chaque fois que je suis un peu déconcentré à cause de rien que de moi-même. Oh punaise. Il encaisse les morts gratos. Surtout en ce début de fraises dorées, quand je suis en train de reprendre chacun des niveaux. Non, ça va pas le faire. Non. Mais le deuxième niveau, on est déjà pas mal avancé, hein, on l'a presque déjà en main. Ce qui est je vais pas dire impressionnant, mais ce qui est pas mal. Rassurant. Par contre, ces picous là. Pouit. Ah, trop attendu pour changer. Si je l'attrape trop en bas, c'est assez relou. Je suis pas sûr que ce soit possible si je réattrape le bloc sur sa partie basse, si c'est possible. De remonter. Là, j'avais tellement tardé que j'étais obligé de tenter le dash sans faire un saut, mais évidemment. Ça n'a pas fonctionné. Oh punaise. Aïe aïe aïe. Parfait. Alors là, avec beaucoup de chance, je l'aurais réussi du premier coup. J'avais prévenu que bon. C'est faisable, mais c'est compliqué. À la fin de cette salle là. Bon, maintenant je fais des dashs, mais ouais, là j'ai pas fait le saut parfait. Le saut parfait, on arrive juste sur le rebord. On s'agrippe même pas. C'est assez agréable. Mais maintenant je fais des dashs comme ça. J'ai pas à m'inquiéter de ça, et vu que j'ai un dash, ça va plus vite.
tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Faire beaucoup de petits sauts à cet endroit-là. Hein. Beaucoup de petits sauts précis, rapides. Aïe, aïe, aïe. Un peu trop précis à mon goût. J'ai failli oublier de me raccrocher à cet endroit-là. Ah. Peu trop lent pour faire mon saut. C'est marrant, j'aurais dû revenir en arrière. Alors, ça va. Et ça va. Mersal, elle est quasiment 100%, la deuxième. Je crois que je l'aurai jamais en quasi 100% de réussite. Jamais. On s'embête à les faire en doré. Mais bon, c'est quand même... C'est pas des niveaux longs, du coup, c'est assez agréable à faire, quoi. C'est pas genre le sommet en A, ou quand tu penses que t'as fini le niveau... Bah non, il y a encore 30 petits drapeaux, et il faut pas que tu meurs sur un seul. Merci, mais non merci. Punaise, mais à chaque fois... Moi, je m'agrippe mal. Heureusement que la musique est apaisante. Hein. Si vous avez des astuces là pour ces blocs noirs. Où on n'a pas le droit d'être dessus. Voilà, c'est mort. Oh putain. Connard des astuces, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un. Vous allez juste me dire joue mieux, meurs pas, fais des petits sauts. Regardez les énormes sauts que je fais. Je me raccroche tout à la fin parce que j'ai peur de me prendre les pics. Mais si je me raccroche pas tout en haut, j'ai pas le temps de faire tous les sauts qu'il y a besoin au-dessus. Ah punaise. La mort stupide. Mais ce n'est pas grave.
Voilà. Prendre une gorgée d'eau. Surtout qu'à cet endroit-là. La physique. Ah, oh, j'ai fait un dash vers le bas, change beaucoup. Ça aurait pu être la bonne si j'avais pas fait le dash vers le bas. Est-ce que c'est un endroit que je réussissais assez régulièrement à partir de là? C'était pas le. C'est le début de la salle 3 qui est le plus dur. Pour moi en tout cas. Oula. Le début de la salle 3. Et on l'avait passé avec brio. Oula. La fatigue commence à arriver. C'est à cause de l'énervement et de la musique douce. Qui veut me relaxer. Et du coup ça me fatigue. Ah, ou alors peut-être que là je peux éviter un saut, je passe directement de la droite à essayer de monter tout à gauche. Ça fera un saut de moins là-haut. Ouais, c'est faisable. Par contre après... C'est bon. Et voilà, forcément. Non mais oui, mais je me suis rappelé, j'étais à moitié dans le saut et du coup j'ai fait un truc entre les deux. Pour une fois c'était pas une erreur d'exécution, une erreur de trop réfléchir pendant la partie. Ah punaise. Witty-pouit. Jamais assez loin ce truc là, je comprends pas. Et maintenant que je me dis que j'ai pas forcément besoin de faire un petit saut dessus comme ça, tout en haut là-haut, pendant qu'il y a un hélicoptère qui passe. Donc j'ai un peu évité de parler pour pas que vous l'entendiez. Il me semble que le réglage micro a bien fonctionné. Je disais, vu que maintenant... Je me dis que je peux économiser un saut tout en haut. C'est moins grave si je fais des petits, si je fais un grand saut justement et que j'atteins un peu bas sur la droite. Mais là, faut que j'atteigne en bas pour le dash vertical. Pour que la plateforme ait plus le temps de monter. Zut. Je m'en mêle les pinceaux et les doigts ou n'importe quoi. Alors. Voilà, comme ça c'est bien. Non mais non, faut quand même que je passe par au-dessus. Je me suis dit c'est bien d'agripper au milieu mais...
Il faut quand même remonter juste après pour attaquer, ressauter au-dessus. Sauf qu'il n'y a pas besoin de faire deux sauts, il n'y a besoin de faire qu'un seul saut. Oh là là. Aïe aïe aïe, j'arrive pas, j'arrive plus, j'arrive pas. Mais ça va, la zone 1, le tableau 1, on le réussit à part quand je me déconcentre. Le tableau 2, on a l'ostrate, c'est juste qu'on a du mal encore à les appliquer, elles sont pas encore inculquées dans les doigts. Et la zone 3, je l'ai dit, elle me paraît pas si pire. Ah punaise, j'étais un peu trop tôt pour le faire. J'aurais dû faire un saut vertical là pour... dash vertical plutôt pour... Vu que j'avais oublié de faire le saut mural. Ce petit saut, c'est toujours le même maintenant. Malgré ce que j'ai dit, que c'était pas grave de... Ouf. Sorry. D'arriver un peu plus bas, c'est toujours le même saut, ok. Chaque fois je me demande si je m'étais retourné, est-ce que ça serait passé. J'ai attendu, faut pas attendre sur ce petit saut. Je le sais pourtant. Je le sais bien. Punaise, petit dash en reprenant la manette. Punaise. On redash en arrière pour faire le... Pour s'agripper là où on devrait. J'aurais dû m'agripper, j'aurais dû m'agripper, j'aurais dû m'agripper, j'aurais dû m'agripper.
Là, on s'en fout de s'agripper en bas en plus. Là, c'est relou. Là, c'est bien de s'agripper en bas. Non, ça marche pas bien en fait ce truc. Oh. Allez, dernier essai pour la VOD. Bon. Ben, j'espère que cette VOD vous aura plu, que cet épisode, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour les suites de notre ascension, de notre troisième ascension du Mont Céleste. Et bientôt farewell, hein, du coup. Logiquement, dans pas si longtemps que ça. À bientôt.